Vini, partageons l'innovation. Alors, la paroisse de Saint-Benoît, je rayonne sur trois paroisses, Teupo, Veirao et Tuahutu. J'habite ici à Teupo et ensuite j'ai fait mon ministère sur les trois paroisses. Je suis ici à Teupo. Pour un temps, après ensuite je partage mon temps ensuite avec les deux autres paroisses. Ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres en ce moment, alors c'est une question de pastorale. Chaque paroisse est organisée avec des groupes de responsables. Et avec les groupes de responsables, nous parlons ensemble de la pastorale, comment on va gérer la paroisse, et ensuite les projets aussi de la paroisse. Par contre, pour les sacrements, il y a des jours que j'ai réservés pour chaque paroisse. Par exemple, le mercredi, c'est pour Tuahutu et le samedi. Pour Veirao, c'est le jeudi et le dimanche. Et cependant, pour Teupo, ce sont les autres jours, alors pour Teupo. Je suis plus présent sur Teupo puisque, à l'origine, j'ai été nommé pour Teupo. Alors j'ai programmé mes affaires de telle sorte que Teupo puisse avancer dans ses projets. En gros, c'est cela que j'aimerais bien partager avec vous. Il y a très peu de personnes de Teupo qui viennent ici à la messe ou qui participent à la vie de la paroisse parce qu'il y a très peu de catholiques. Il faut savoir qu'ici, c'est à dominante protestant et adventiste. Mais cependant, les catholiques, il y a quand même un petit noyau. Ici à Teupo, il n'y a pas plus de 30 personnes ici à Teupo, 30 familles ici à Teupo. Cependant, que ceux qui viennent à la messe, ils sont à peu près 80, même des fois, ça va jusqu'à 100, selon les fêtes. Mais les personnes de Teupo même, ils sont très peu. La plupart des personnes qui viennent ici à la messe le dimanche, ce sont des personnes qui viennent aussi de l'extérieur. Il y a beaucoup qui viennent de Papeete parce qu'ils ont des maisons secondaires ici. Il y en a beaucoup aussi ceux qui viennent aussi de Veirao, de Temer, de Tuahutu, de Travor et des paroisses avoisinantes. Ils viennent donc ici dans notre paroisse. Alors la paroisse de Teupo accueille toutes ces personnes, organise sa vie, mais avec les gens qui viennent aussi de l'extérieur, ils nous aident aussi beaucoup pour la vie matérielle de la paroisse.